Je vais vous montrer ici un traitement simple que vous pouvez faire chez vous. Se présente en fait. Coucou mes amours, je vois que vous êtes de retour sur ma chaîne YouTube. Je vous dis heureux, bienvenue. Je vais dans cette nouvelle vidéo vous montrer un traitement simple que vous pouvez faire pour reprendre le contrôle. Oui, redevenir le seul et l'unique maître dans votre harem, le roi dans votre lit, dans votre chambre, dans votre couple. C'est un traitement qui agit en tandem. Oui, ça veut dire que ça va agir en deux temps. Premièrement, ça va agir sur les zones de votre cerveau qui activent ou inhibent les envies, mais aussi ça va soigner vos troubles directement à la source. S'il vous plaît, faites attention. Si vous êtes une dame et que vous voulez partager cela avec votre partenaire, que vous souhaitez aider votre partenaire à devenir un roi dans la chambre, ou alors que ses prestations ne vous plaisent pas ou même ne suffisent pas, montrez-lui cette vidéo, les filles. Vous n'avez pas besoin de parler trash avec lui. Montrez-lui juste la vidéo et il comprendra. Et bien sûr, si jamais vous avez d'autres personnes dans votre entourage qui ont ces mêmes troubles, ces mêmes problèmes, vous pouvez tout simplement leur montrer cette vidéo ou même alors partager le lien. C'est pour ça que si jamais vous êtes nouveau, vous êtes nouvelle et que vous n'êtes pas encore abonné sur ma chaîne YouTube, n'hésitez pas, abonnez-vous, likez et commentez, mais surtout partagez le contenu de ces vidéos pour que ça touche un maximum de personnes. Alors, ce que je vous présente ici depuis le début de la vidéo s'appelle souché. En Afrique, on appelle ça la noix tigrée. Ou ici en France, on appelle ça l'amande de terre ou même encore le pois sucré. On le trouve très facilement en vente sec comme ceci. Parce que sachez que lorsqu'il n'est pas sec comme ceci, en fait, il y a encore la pulpe dessus. Mais moi, je préfère l'acheter déjà nettoyé, déjà épluché, déjà lavé de cette façon. Donc, vous pouvez voir sur le lien là-haut. Donc vous pouvez voir sur la photo, la petite photo qui est sur le côté, comment il se présente habituellement. Mais celui-ci est déjà lavé et apprêté. Donc ce que vous allez faire au préalable, mes amours, vous devez laisser ceci tremper pendant 2 ou 3 jours. D'accord? Tout simplement dans de l'eau comme ça. Vous le recouvrez avec quelque chose. Et vous le laissez poser pendant 2 ou 3 jours. S'il est déjà frais pour vous, vous n'avez plus besoin de le tremper. Après les 2 ou 3 jours, vous allez simplement le retirer, tamiser l'eau. Donc, voilà comment il se présente une fois qu'il est resté trempé. Donc, il gonfle et devient mou. Vous pouvez voir. Voilà. Donc, vous allez le passer simplement au blender. Une fois que c'est fait, sachez qu'il est très important de rajouter de l'eau propre. Vous pouvez le conserver au réfrigérateur jusqu'à 2 semaines après le trempage et il sera toujours aussi frais et toujours aussi bon. Vous allez prendre à peu près 200 g de souchet pour 50 g de gingembre et un demi-citron comme celui-ci. Vous allez rajouter à l'intérieur 3 verres d'eau à peu près comme celui-ci. Donc voilà ce que vous obtenez une fois écrasé. Mes amours, sachez que cette noix tigrée est très très puissante quand il s'agit de redonner aux hommes leur force au lit. Si jamais au lit, en moins de 2 minutes, vous avez lâché la purée, débarrassez-vous de ces faiblesses avec ceci, mes amours. Vous l'avez en vente libre sur Internet, dans les magasins spécialisés, sur Amazon, sur les magasins bio en ligne, dans les marchés. Et vous pouvez bien sûr, à part Amazon, si vous ne trouvez pas ça sur Amazon, vous pouvez simplement l'acheter sur wishfrance.com. Mes amours, cette astuce qui est très simple va tout simplement faire boum boum dans votre couple. Voici ce que vous obtenez. Tamisez bien, car ce qui nous intéresse ici, c'est le jus. Mes amours, bien sûr, une fois que vous avez fini de tamiser, n'oubliez pas, vous pouvez remettre tout le reste du produit dans votre mixeur. Rajouter un petit peu d'eau, remixer à nouveau, d'accord? Donc comme ceci. Et vous pouvez faire ça 2 à 3 fois. Vous pouvez le conserver au frigo pendant quelques jours. Ça ne pose aucun problème. Donc ne jetez pas tout de suite parce que c'est encore utilisable. Une fois que c'est fait, mettez simplement ça dans un verre comme ceci. Donc une fois que c'est bon, vous rajoutez le jus de votre demi citron à l'intérieur, comme ça.
Si jamais vous voulez vraiment mettre le feu à la maison, je vous conseille de rajouter une cuillère à café de poudre de cardamome. Ça ne coûte rien. Ce sont des trucs que vous trouvez simplement en supermarché ou même en épicerie. Ou alors, regardez sur Internet, sur Amazon. Ce sont des trucs qui sont en vente. Je vous avais parlé de la cardamome dans plusieurs de mes vidéos. Ne sous-estimez jamais cette poudre car elle a des vertus exceptionnelles pour vous. J'en ai parlé dans plusieurs vidéos, comment elle était capable de réveiller même les cadavres. Donc, prenez-en une cuillère à café. Laissez poser quelques minutes le temps que le mélange prenne bien et buvez ça. Ça va être exceptionnel pour votre santé et madame va faire des envieuses. Oui, mes amours, ceci, vous pouvez simplement boire un verre le matin, un verre le soir. Buvez le temps que vous pouvez, autant que vous pouvez. Je vous ai expliqué, je vous ai parlé de la cardamome. Maintenant, je vous parle du souchet. Mes amours, sachez que le souchet est très connu, est très utilisé, surtout pour vous qui avez des faiblesses. Si jamais vous démarrez au quart de tour, que 5 minutes après, boum, c'est versé, je vous conseille d'utiliser ceci. Buvez simplement un verre le matin, un verre le soir et immédiatement vous allez commencer à sentir des résultats. Et bien sûr, je vous conseille de continuer à prendre le traitement même après que votre problème se soit réglé, d'accord? Donc voilà.